Salut tout le monde les gens, c'est Big Boss. J'espère que vous allez tous bien les amis Big Boss et Big Bossiennes. Moi ça va. Alors aujourd'hui épisode 3 en compagnie de DJC Rénov. Salut DJC. Salut frérot, salut Big Boss et Big Bossiennes. Ça va-t-il ? Ça va bien. Donc je disais épisode 3 sur la map Sudermen. Donc la ferme DJC. Voilà, donc épisode 3, donc l'évolution sur cette troisième partie. On t'écoute. Bon voilà, bon bah là, je voulais faire voir mon tableau. Il y a eu de l'évolution, comme tu disais. Donc on a fait un peu de rendement, hein, on va dire. Hein. On a préparé les cerises, on a préparé les pruniers. Et puis on a un peu de stockage, donc le progel, ce gel, sur le sol. Et on a du carburant. On avait lancé la vidéo d'avant. Bon là, la série, il n'y a pas grand chose à changer. On fera un petit tour aussi en même temps. Comment je fais, parce que bon, j'ai dit à la première vidéo, je ne cite pas, mais malgré tout on a trouvé une solution, enfin, pour éviter de citer, et puis pour savoir ça fait plus vite, parce que forcément j'en serai pas là actuellement. Donc là aujourd'hui, bon, on a de la bière aussi, hein, je sais pas si on a le temps de le faire, la bière. On verra. Là ce que je vais faire, c'est récolter les champignons. Donc on va les porter directement, c'est plus simple. Ok, ouais. Enfin, on va prendre la moissonneuse. Là, montée. On descend. Que je fasse ça parce que j'ai laissé ma musique, moi. Alors, voilà notre champ de blond. Hein. Alors, il paraît petit, hein, comme ça, mais bon, on récolte pas mal, hein, ça va. Hein. Je me demandais au début pourquoi ils ont mis qu'un seul champ de blond, mais c'est correct. Hein. Ouais, si est... en plus s'il est traité, il y a une bonne, un bon rendement. Ouais, ouais. Bon, là, je vais démarrer, on fait pas trop de temps. Hein, ça et tout. Hop. Et on abaisse. Et du laisser, on coupe. La barre de coupe, c'est bon. Et c'est parti. Bon, tout ça, pour récupérer, hein, si vous voulez, moi, ça traditionnel, puis c'est bon. Hein. Après, je pense qu'il y a d'autres matériels pour faire plus réaliste. Et bon. Donc là, tu récupères 2 rangs à la fois, là. 2 rangs à la fois, ouais. Bon, après, c'est pas le temps de mettre une... J'ai pas l'intention de mettre une barre de coupe plus grande, ça sert à rien du tout. Hein. Les gens sont pas énormément plus. Hein. Ouais, ouais. Bon. Et puis, de toute façon, sur les routes, c'est pas grandement plus. Donc ça sert à rien d'avoir du matériel trop gros sur cette map là. Mmh. Là je pense que c'est correct. Oh, il faut mettre tout adéquat quand même. Ouais, bah j'ai mis une barre de coupe auparavant, mais elle est un peu trop grande. Donc ça c'est je le trouve correct. Voilà. On va peut-être pas faire tout le champ complet si tu veux, je pourrais le faire après, Ouais ouais, bien souvent c'est ce que je fais aussi. Hein. Ouais ouais. Un peu de... Les gens voilà, ils veulent comment se passer, puis c'est bon. Hein. On va faire ces deux rangées là. Puisqu'il y a d'autres choses à voir. Hein, c'est... Tu as tout prévu. Bah ouais, voilà, pour voir l'évolution de. Pour voir un peu l'évolution de la ferme, quoi. Hein. Après, on va pas se mentir, après ça va être toujours la même chose, sinon. Donc voilà. Hein. On récupère. On voit à peine la moissonneuse, hein. Ouais, bah ouais. Au retour. Ouais, c'est grand, hein. C'est tellement que c'est haut. Et j'essaierai de voir si je peux tirer un... Parce que tu nous as envoyé des vidéos de récolte IRL. Ouais, ouais. Tirer une partie dessus pour faire voir en IRL comment qu'il pratique, quoi. Bon, ouais, ouais. Nous sur Fermine, on est obligé de pratiquer comme ça, il n'y a que ça, hein. Donc on n'a pas le choix. Ouais, j'ai pas trouvé le matériel adéquat pour le houblon. Hein.
peut-être pas la suite, peut-être. C'est pas l'idée. Alors là, tu peux faire niveau aérien, comme ça, on va... Ouais, c'est ce que je fais. Comme ça, on voit un peu ce que ça donne comme grappe. Bon, j'ai pas fait énorme, mais c'est pas grave, hein. On va descendre un peu pour voir dans la benne un peu. On dirait les haricots. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Allez, hop, on va essayer plutôt. Je vais en tracteur parce que j'aurais l'air bien du tracteur. Le chalou blanc, je le finirai un peu plus tard, c'est pas grave. Il est déjà pas mal le chalou blanc, il est déjà grand. Donc il y a, j'avais déjà fait une première récolte, ça va quoi, ça fait du stock. Hein. Ok. Quoique la remorque, t'aurais pu la laisser là, puis tu l'as bidé plus tard. Hein. Non, je vais en avoir besoin. Ah, d'accord. Après, j'ai une deuxième remorque, elle est un peu petite, donc comme je dois mettre du compost, tout ça, je préfère travailler avec cette remorque, puis il y a le tracteur, quoi. Je vais attendre que t'arrives à la ferme pour que je puisse prendre ton tracteur. On y arrive. C'est vidé, je descends le tracteur, tu peux monter le tracteur. Ok, attends, deux secondes. Monter, voilà. Ah zut, bon, c'est pas grave. Bon, alors on va laisser le tracteur de l'eau. Ouais. Donc là, j'ai vu qu'on pense qu'il se prépare encore. Attends. Je vais en route. Ouais. Je vais remis en route parce qu'il manque un peu de paille. Donc le compost se prépare bien et j'en ai en stock. Hein. Donc, tout le stock se fait là-bas au bout, là, enfin je sais pas si on voit d'ici. Là-bas il y a des silos. Et alors ici c'est tout ce qui va être semence et tout, l'engrais. Ouais. Et en fait dans les autres silos là c'est bah, c'est sur la paille, j'ai pas de bêtises. Hein. La paille hachée, ouais. Ouais, la paille hachée, le silage, la nourriture pour les vaches, la nourriture pour cochon et le compost. Donc là j'ai du stock une danger. Hein. D'accord. D'ailleurs on va le prendre parce qu'il m'en faut. Je vais faire chercher le tracteur. Et puis je vais les mettre du compost aux cerises et puis aux prunes. T'as quelque chose là-bas ou pas, non? Ouais, j'ai plus de tracteur déjà là-bas. Bon alors je vais me taper là-dedans. Ouais, il se trouve à l'intérieur, mais je le mettre dedans. Attends, je vais faire ça, je vais couper ma musique là parce que j'ai laissé ma musique moi. Bon, logiquement ça passe, mais ça peut refuser sur certains pays. Ah, ils sont vides là, t'es. Ouais, c'est pour ça que je dis que j'en ai du compost. L'eau c'est bon, oui, l'eau, remarque, c'est vrai, la dernière fois on avait pris en deux fois. Ouais, je l'ai remis encore hein, une fois. On va mettre un peu de compost, comme ça va remettre en route. Ça se remplit. Donc on n'a toujours pas trouvé la procédure. Hein. On pensait avec le JD qu'on pouvait... mais j'ai un souci, moi, c'est que je monte bien dans le JD, mais je reste sur le côté, donc on ne voit rien. Sinon, ouais, on aurait pu faire bien. Le trajet ensemble, quoi. Ou alors pendant que je conduise pour... C'est toi qui conduis, parce que moi par contre, je suis monté dedans, je me trouve bien à côté de toi. Mmh. Enfin, c'est pas grave, hein. De toute façon, ça n'empêche pas. Les amis bibossiens, bibossiennes regardent quand même les vidéos. Ouais. Donc on vous remercie beaucoup quand même, c'est sympa de votre part. Hein. Ouais, j'arrive, hein. Le trajet n'est pas bien compliqué, bon, enfin là je connais un peu la carte, quoi. J'ai même plus à du GPS quoi, pour y aller. Ah bah c'est déjà ça. Ah, parce que là j'ai pratiquement pratiqué que ça, hein. Mettre en route les prunes, les cerises, j'ai trouvé un peu dans la forêt cerise, d'ailleurs je vais pas me rappeler, hein. La bière j'ai mis en route. Mmh. Ouais ça on l'avait fait ensemble hein, déjà sur l'épisode 2. Je pense que je rachèterai une remorque plus tard pour la bière parce que j'aime pas trop la texture dans la remorque. Dans la remorque, ouais, c'est pas top quoi. Donc j'arrive.
Biaise. Alors, je vais partir en deux fois. Ici. Alors, je vais voir ici. On reste ici. Voilà. Comme ça, le cerise et les fruits, bah, bon, je vais mettre en route pour tout ça là, j'ai rien à faire. Une fois que je contrôle que j'appuie, ça démarre tout seul. Alors, deux petites minutes, je vais faire une ellipse. Donc voilà, donc le compost est versé, ça va se remettre en route tout seul, il n'y a pas de souci. On va charger le tracteur. Tu vas voir un peu rapidement comment on procède. Hein. Oui, vas-y. Là, donc il y en a déjà dans les silos. Et on va parler. Donc là, c'est assez étroit. Hein, donc du coup, je peux pas travailler avec le contacteur parce que c'est assez compliqué pour y aller. Hein. Mmh. Donc, petit tracteur, petite remorque, ça va très bien. Et puis bon, il n'y a pas beaucoup de route à faire, de toute façon. Voilà, donc on récupère les cerises. Alors qu'est-ce que ça donne là-dedans? Bon, la texture elle est pas mal. Ah oui. Oui, elle est bien. Ouais, elle est bien. Et même les prunes là sont pas mal. C'est joli. Ouais, ça va. Donc voilà. Donc là, il faut que tu prennes l'autre tracteur par contre, pour me suivre. Tu veux qu'on fait le trajet à deux? Alors attends, je vais RTP dans le... Ouais, oh. Tu laisses la benne, c'est tout. Attends, j'arrive. Et c'est pas bien loin, donc du coup, c'est ce qui est bien, quoi. C'est un petit tracteur, une petite remorque, pour faire le trajet, c'est suffisant. Et ça permet de bien rentrer dans l'engueur, parce que j'ai essayé avec le tracteur, là, et... C'était un peu merdique pour manœuvrer quoi. Ouais d'accord. Donc du coup la seule solution c'est de travailler avec ça. Et c'est parfait quoi. Changer peut-être pas la suite, on reprendra un petit tracteur mais un peu plus puissant. Mais bon pour l'instant ça va très bien. Voilà. Donc là, on va amener ça au stockage. D'accord. Mais à loin, c'est juste au-dessus, hein. Donc on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de trajet, hein. C'est pas énorme le trajet. Hein. Ah, tant mieux. Ouais, franchement, là-dessus, je pense qu'ils ont ils ont réfléchi quand même sur la carte, comment, justement, pourquoi, parce que c'est serré, et pour travailler des contracteurs, c'est emmerdant, donc forcément pour travailler avec un contracteur, et je pense que dans la conception de la map, ils ont réfléchi à ce que ça, quoi. Du coup, ça ne fait pas trop de trajet, quoi. C'est ce qui est important quand même. Quoi. Il faut travailler avec une petite remorque pour aller à l'autre bout de la carte. C'est pas fini. Bah, ils ont imaginé que si les personnes font des vidéos, que ça fasse pas trop long, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, ici. Alors on a. Ici, on est sur la partie livraison, oui. La partie livraison. Voilà. Et de l'autre côté, ça serait la partie expédition, pardon. Donc on va pas faire tout non plus. Donc les prunes, c'est la même chose, on procède de la même façon. On va déposer ici. Et après, regarde, tout se stocke ici. Donc le lait, le schnapp, ça c'est encore de l'alcool, les prunes sont derrière ici, les aussi. Tout se stocke ici. Il faut que je vienne stocker tout ici. D'accord. Et ensuite, il faudra que je reprenne tout ça, de toute façon je pense qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. Ouais. Parce que j'ai pas encore tous les composants pour soit faire le gâteau, soit faire d'autres choses. Oui. Donc ça on verra ça sur une prochaine vidéo. D'accord. Donc voilà, les prunes c'est la même chose. Hein. Donc ouais. On va pas refaire un trajet pour rien. Non. Alors attends. On va prendre le tracteur, on va aller les deux tracteurs. Et on va aller dans la partie Syrie 2. Donc là j'ai du carburant aussi, hein. Je sais pas si on avait fait voir la info, mais le carburant il a été préparé. Hein. Donc là j'en ai en stock et j'en ai déjà mis dans ma citerne. Hein. D'accord. Donc quand je confirme, moi je ne le fais pas. D'accord. Donc, au fait, on a fait vérification avec Fabien, du Camor. Hein. Et il ne paye pas non plus. Hein. Ah, c'est ce qui me semble bien. Voilà. Tu n'as pas l'intérêt de créer ton carburant si c'est parce qu'il paye en plus. Quoi. Par contre, bon, il y a des cuves pour stocker. Donc il peut le stocker, mais seulement s'il veut s'en servir pour remettre dans ses tracteurs ou mettre ailleurs, il est obligé de prendre une cuve. On peut pas prendre directement de sa cuve
Ouais, de stockage. De stockage. Ouais. C'est juste pour remplir la fumée. Enfin, c'est pas plus mal parce que moi aussi, je suis là aussi. Et j'ai, en réfléchissant bien, je me suis dit, c'est pas plus mal parce que si on se trouve à l'autre bout de la carte, avec un cluster et qu'on est franchement vide, c'est plutôt emmerdant de revenir jusqu'à la ferme pour refaire le plat et repartir au bout. Oui. C'est une perte de temps. Mais alors que là, il suffit de finir avec la fume et basta quoi. Comme j'ai dit, hein, logiquement, avant de partir de la ferme, on fait toujours le plein avant. Bon, ça peut arriver d'oublier. C'est pas ça, mais si on se trouve avec plusieurs champs, hein, comme là, tu vois. Ah oui, là, il y a beau champ. Oui. Forcément, le carburant il diminue. Et si tu as besoin de refaire le plein, bah, c'est pas la peine de bouger de véhicule. Tu viens avec le système directement et tu refais le plein d'eau direct. Donc, je suis d'accord avec toi. Logiquement, on est censé vérifier, faire le plein avant de faire un long trajet et tout. Mais. Bon, pourquoi pas quoi, ça peut être dangereux, on ne fait pas. Moi personnellement, je ne fais pas forcément l'orientation au carburant. D'accord. Je préfère être honnête quoi. Mais je donne un coup d'œil, oui, je vais jusqu'au bout quoi. J'ai pas peur. Hein. Donc voilà, on arrive sur la partie série. Donc la série elle se trouve ici à notre droite, hein, que j'utilise rarement, de toute façon parce que moi je travaille directement dans les temps. Hein. D'accord. Alors là, je voulais. On va pas parler beaucoup, mais ce que je vais expliquer, voilà. On se doute bien que j'ai dit, moi je ne. Je ne citais pas. Je ne citais pas. Mais si les gens suivent la vidéo, ils vont bien voir que c'est pas impossible d'aller aussi vite. Parce que, alors, je fais du H24. Donc, comme je travaille, c'est pas possible. Donc je reviens travailler le soir, je vais un peu sur famille pour jouer un peu. Après mes heures de travail, c'était bien, hein, c'est beau. Hein. Oui, oui, oui. Alors, quand je ne cite pas, et merci à toi, hein, c'est toi qui avais trouvé ce mode, on a installé un mode, et en fait, pour faire la foresterie, bah, au lieu de planter des arbres, acheter des arbres et tout, et seulement les planter et attendre que ça pousse, grâce à ce mode, bah, juste acheter l'arbre, alors ça coûte pas cher, ça coûte 1 euro, forcément, et il n'y a plus à les planter, ils sont déjà, voilà, sont déjà taille réelle. Donc voilà pourquoi moi j'ai réussi à acheter tout mon matériel, parce que tout ce qui est là, déjà, bah, je l'ai acheté, et ça coûte du pognon, hein. Le camion il en vaut, je ne sais plus, 200 000 et des pommes de terre, le véhicule il en vaut 300 000. Donc forcément, on arrive facilement à 1 million de. À 1 million. Ouais, ouais, ouais. Et y compris le tracteur, le machin. Bon, forcément, si je jouerais normalement et sans cheater, aussi vite que ça, j'aurais pas pu l'acheter. Mais grâce à ce mod, voilà, il n'y a plus que là. Ça coûte 1 euro, je dis. Et là, alors, j'ai replanté tous les arbres. La première fois, je l'ai fait, mais je l'ai trop serré. Et du coup là j'ai desserré les arbres parce que après j'ai remarqué que quand je coupais les arbres, bah, ils se bloquaient entre les autres arbres. Et là c'est plutôt embêtant pour travailler. Et du coup là j'ai séparé. Donc il y en a pas mal d'arbres. Et donc il y a trois choix. Hein. Donc là c'est des arbres. Il ne faut pas me demander ce que c'est comme arbre. Moi je suis nul en menuiserie. C'est les sapins épicéas. Hein. Bon d'accord, bah, je te fais confiance, c'est pas une menuiserie. Donc il y a trois sortes. Alors il y a cette sorte là qui est fort feuillue, quoi, hein, je vais dire ça comme ça. Ouais. Si on avance un peu plus loin, j'essaie de séparer au mieux. Hein. Oui, c'est ce que je vois. On a des autres arbres, et ceux-là sont moi feuillus. Oui. Et j'ai remarqué en les coupant que ceux-là ils payaient mieux par contre. Oui, parce qu'ils sont plus droits. Je pense que c'est ça. Ils sont plus hauts, je pense. Hein. Un peu plus hauts. Et on a une troisième qui se trouve là-bas dans le fond, je l'ai mis là-bas. Attends, parce que là, comme j'étais en bureau aérienne, t'es où là? T'as juste à me suivre. Ouais, mais je te vois plus. Donc, je t'ai perdu de vue, Jacques Pradel. Attends, Voilà, viens vers moi, cours. Ben oui, mais je te vois pas. Viens, Forest, cours, viens, je sors. Hi, tu vois? Non. Tourne à droite. À droite. Tourne à droite, à ta droite. Ta deuxième droite. Bah oui, donc c'est la gauche. Non, deuxième droite, la vraie droite quoi. Ah bah attends, il y a un problème là. Attends, je te regarde, moi je te vois. Bouge plus, je te vois. Bah, je suis en haut. Voilà, ici. Ah d'accord, ouais. Voilà. On fait le tour, hop. Vas-y, je te suis. C'est parce que tu courais trop vite, c'est pour ça. Ouais, je suis un sportif. Et voilà, ça c'est le troisième sorte d'arbre. Hein, donc, alors. La différence, c'est que je pense que celui-là il est moins touffu. Alors, on a des arbres fort touffus, oui. fort feuilletés, des arbres un peu moins feuilletés et des arbres beaucoup moins feuilletés. D'accord. Voilà, c'est la seule différence. Donc,
Moi je fais ça, donc ça m'évite de cheater parce que. Moi j'ai dit hein, j'aime pas cheater. L'estomac mode il permet de bien avoir ses coins. En fait, franchement, je vais pas me priver. C'est un bon mode, donc on l'achète, c'est vrai que c'est pas cher, mais on est obligé de l'acheter quand même. Ah bah c'est une gestion de toute façon. Hein. Il faut bien savoir que les arbres, c'est le voilà. Si on coupe directement, on va le mettre directement dans le lac, on va vraiment pas toucher grand chose, on va toucher au maximum dans les 700, 800 euros quoi. Ouais. Si on fait des belles coupes, là on commence à bien toucher. Donc une zone comme celle-ci, alors celle-ci c'est qui sont un peu forfaitées, je sais pas, j'ai pas encore fait l'exemple, mais ceux-là, moi je fais des coupes de 6 mètres. Ouais. Alors, la première zone, celle-ci, elle me rapporte bien parce que je touche facilement. Voilà. Alors. Alors, je peux vous utiliser. Les arbres, c'est juste un calcul. Alors, les arbres coûtent pas cher, ils coûtent que 1 euro. Mais si on les met directement dans le lac, l'arbre il va coûter, alors sans la guerre et tout, il va revenir à 700, 800 euros. Ouais, c'est de la spéculation ça. Ouais, alors, si on fait le calcul, c'est rentable parce qu'on paye 1 euro, on en récupère 700. Donc il faudrait quand même planter des arbres pour arriver à 400 000, il faut quand même en planter, en couper et puis les mettre. Ouais, ouais. Tu vois ? Sauf que si on les coupe en grume, ce que je vais faire, et ben voilà, en 6 mètres, la première grume, rien que la première grume, elle atteint déjà 1800 euros. Ah d'accord. Ah oui, parce que il y a le débit et tout, oui. Voilà, et franchement c'est pas négligeable. Et après, la deuxième, elle arrive à 900 euros. Donc quand on fait le calcul déjà, on est largement au-dessus, quoi. Donc on fait pas beaucoup de grume, moi je l'ai fait à 6, hein. J'ai coupé à 6 mètres, et c'est largement suffisant. Et c'est une petite grume là qui reste, là tu vois que c'est la dernière grume qui reste et qui est en pack, celle-ci généralement je la prends pas et je la mets en copeaux. D'accord. Quand je récupère mes copeaux tout, j'ai ma machine qui est à côté, et je l'ai acheté hein, forcément, et puis je la prends, hop, et je la débite en 1 mètre, et puis je fais que des copeaux. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est juste un calcul, et grâce à ça, sur une journée, pas sur une journée complète, mais sur une heure de temps, j'ai pu ramasser 400 000 euros quoi. D'accord, ok. Ce qui est pas négligeable non plus, hein, faut pas... Donc voilà, la partie elle est pas cheatée, mais voilà pourquoi j'arrive à avancer aussi vite, parce que voilà, je plante les arbres, je perds pas mon temps à attendre qu'ils repoussent, tout ça, tout. Grâce à ce mode, je coupe, je débite, je mets dans le lac, et voilà, ça me permet de monter le spécule. Alors là, moi je le vois, je suis à 74 500, en fait il me restait plus grand chose quoi. J'ai pris que deux arbres, deux, trois arbres, ouais. J'ai débité, rien qu'avec ça, il me restait 50 000. Hein. Il me restait 50 000, et grâce à ça, j'ai augmenté vite fait quoi. D'accord, ok. Bon ben, c'est une bonne spéculation, hein. C'est bien quoi. Ouais. Même en vendant l'arbre directement, comme tu dis, hein, tu l'achètes 1 euro et l'arbre tu le vends à 700, bon ben c'est déjà bénéfice. Hein. Ouais, forcément, ça fait un bon bénéfice, mais il faudrait travailler plus pour arriver à 400 000, parce que c'est quand même du boulot. Ouais. À 400, parce que quand on voit les prix des véhicules, tout ça, tout, ça m'a permis de racheter moi des véhicules, j'ai racheté des champs, enfin j'ai racheté deux champs, trois champs j'ai racheté, dont un il était déjà semé. Donc j'ai récupéré, c'était de l'orge il me semble, j'ai récupéré l'orge, et comme ça m'a permis de faire trois champs, donc mes quatre champs que j'avais avant, plus trois champs, là j'ai pu refaire deux champs de maïs, parce qu'il manque du maïs. D'accord. Donc ça j'ai pu faire du maïs. Donc forcément les champs sont à 100, le machin je crois qu'il était à 150 000 et quelque chose, donc forcément il faut de l'argent pour monter quoi. Il me ferait beaucoup plus longtemps pour pouvoir avoir cet argent, il faudrait cultiver, stocker, et puis livrer. En attendant, je peux pas faire autre chose, quoi. D'accord, ok, donc ouais. Là, en procédant comme ça à la menuiserie, ça me permet, je coupe un tas d'arbres, je spécule d'un coup, et puis je peux travailler autre chose, après, tout de suite. Ben là, de toute façon, comme on disait, hein, là, donc on arrive à la troisième vidéo, et puis ce qu'on va faire, à partir de la quatrième, on va voir après, pour pouvoir que Fabien puisse rentrer sur ta map, et puis vous donner un coup de main. Et puis bon, logiquement, moi je devais pas travailler, c'est juste pour filmer, alors on verra, hein, faudra qu'on organise un peu le plan, comment qu'on va travailler. Mais je pense, pour quand même avancer un peu sur ta map, aussi bien que sur la map à Fabien, ou si vous arrivez à avoir d'autres personnes, sinon je vous donnerai un coup de main pour travailler en même temps. Mais il faut que je reste, parce que comme ce sera votre map à vous, il faut que je reste à côté de vous pour travailler avec vous. Ouais. Voilà, donc c'est une équipe, mais qui travaille ensemble, quoi.
Voilà. Parce que là, il faut racheter un peu de matériel. Quoi. Là, si là, pour la prochaine vidéo, il faut démarrer en multijoueur et ensemble, il faut... pense bien, moi, j'ai que deux tracteurs, donc ça va pas être possible. Deux tracteurs avec une moissonneuse, tu vas pas pouvoir faire. Le souci, il faut que tout le monde soit accordé pour le temps de la vidéo. Hein, parce que bon, bah, c'est pas facile. Moi, je le vois sur Valfermeur, hein, c'est pas facile. Hein, Voilà. C'est bon, enfin, on essaye de faire au mieux qu'on peut. Hein. Donc là, pour la prochaine fois, forcément, là, du coup, on travaille pas trop sur cette map, mais je veux dire, pour la prochaine fois, là, je vais recouper tous les arbres, ce qui va me permettre de refaire un bon pécule. Et par la suite, je vais installer donc un mode, parce que moi, je peux pas faire palette ici. Mmh. Et la musique, j'ai remarqué que quand je livrais mes planches, en fait, ça me rapporte pas grand-chose, en fait. Donc c'est du temps pour rien. Donc les planches, j'en ferai sûrement. Comme ça, hein, pour faire travailler après la série. Mm-hmm. Mais j'ai l'intention d'installer le mode pour créer les palettes et pour vendre les palettes. Parce que les palettes, on touche pas mal. Quand j'ai fait un essai sur une autre map, hein, voir mm-hmm. si le mode il fonctionnait. Et en fait, une remorque complète de palettes, ça me rapporte 10 000 euros. Quoi. D'accord, ok. Ce qui est pas négligeable. Quoi, hein. Donc, mm-hmm. Si c'est pour travailler des planches, et les planches, ils m'en ramènent, je sais plus, c'était de l'ordre. C'était 4000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Quoi. Oui. Bon, c'est pas énorme, hein, vu que ça passe et tout. Oui, il te faut 3 palettes de planches pour faire une palette de. ouais. Le prix d'une palette à palette, quoi. C'est pas le top, quoi. D'accord. Alors, et pour faire plus réaliste, comme après, il faut falloir que je livre mes marchandises. Et les marchandises sont livrées logiquement par palette. Donc, je vais installer ce mode-là pour créer des palettes et je vais les vendre. Au magasin qui est juste derrière toi, c'est le Sky là. Sky, je sais pas quoi, et d'autres magasins. D'accord. La pierre, ça va être sur palette, tout ça, tout, mais forcément, on peut pas les fabriquer. D'accord. Donc, je vais mettre ce mode là, ça sera plus réaliste, on livrera des palettes, puis eux ils vont me les acheter, et puis voilà, après j'aurai plus qu'à ramener très bien la chaliste pour les vendre et tout. D'accord, ok. Je vois qu'il y a toujours les défauts là. Ouais, malheureusement. Et j'ose pas trop toucher la map parce que je me dis. Ouais, après ça peut mettre en erreur. Bah ouais, et puis j'aurais peur que ça me nique. Enfin, désolé du mot, mais que ça me forme ma sauvegarde quoi. D'accord, ok. Bon, avant ça me dérange pas plus que ça, je vais trouver un moyen. Ouais. On avait déjà fait un essai hors ligne. On fera un petit délire comme ça. Pourquoi pas. Donc j'ai reçu le matériel, on pourra faire un petit délire comme ça, et puis couper les clous qui dépassent, puis après ils seront plus lents, puis c'est tout. Hein. Ouais. Ok, les chevaux ils sont pas animés là. Si, les chevaux sont animés, si. Ah bon, ils n'ont pas l'air de bouger beaucoup alors. Ils sont figés. Ils sont figés. Il n'y en a pas beaucoup qui bougent, je crois. Hein. Il me semblait qu'ils bougeaient. Comme ça que j'étais pas tapé au cul, mais j'ai pas envie de prendre un coup de talon. Quoi. On dirait des trucs en papier là. Ah non, je comprends une autre. Non, c'était sur une autre map. Sur une autre map, ils sont animés. Ah oui, sur Valfermeur, ils sont animés. Ouais, non, ici, ils sont fixes. Et moi, j'ai testé une map de. Même l'écurie, hein, ça fait à moitié carton, l'écurie, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un peu dommage. Hein. Ouais, j'avais trouvé une autre map, j'avais testé. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Mais les choses étaient animées et elles étaient pas mal. Mais ça reste. Map normal, c'est traditionnel quoi. Ok. Bon, bah sinon on a fait le tour là de tout ce que tu devais faire. C'est pour faire un peu voir comment j'ai. Je tenais à faire voir exactement comment. Pourquoi. Oui, la pratique. La pratique. La pratique hein. Et ouais. Pourquoi j'arrive à avoir autant d'argent quoi. Sur tout ça quoi. Voilà. Bon, après, le bon, j'ai pas traîné sur le bon, ça sert à rien du tout, les gens comprennent bien. Voilà, t'as ramassé, bah, il faut stocker et puis voilà quoi. Et puis il y a la bière après, la bière ça se procède la même chose que les cerises et les prunes, il faut prendre, il faut livrer dans le stockage. D'accord. Alors, dans le trépôt. Voilà. Hein, eh ben voilà les amis Bibos, amis Bossen, cette vidéo va se terminer d'ici quoi, donc on vous dit à la prochaine fois pour des nouvelles aventures, donc pour l'épisode 4, hein, dans 2 semaines, puisque c'est toutes les 2 semaines hein, qu'on fait. Ça passe vite, hein, j'avais l'impression que c'était la semaine dernière, mais ça passe vite. Hein. Voilà. Donc, chers amis bibossiens, bibossiennes, si vous aimez, mettez un pouce bleu, hein, ça fera plaisir pour le propriétaire de la vidéo, c'est moi, mais le propriétaire de la map, c'est le DJ Sirenov. Hein. Voilà. Si. C'est pas moi qui l'a créé, la map. Non, mais je veux dire, tu joues dessus, quoi. C'est toi qui joues dessus, voilà. Donc, t'es propriétaire de la map.
voilà, il n'y a personne qui fait ton jeu à part que toi. Ouais, c'est sûr. Voilà, le propriétaire de la vidéo, c'est moi, parce que c'est moi qui filme. Et puis, si vous aimez, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, on vous remercie tous. Et puis, on vous dit à la prochaine pour des nouvelles aventures. Bye bye. Salut tout le monde. Merci bien.